il y a quand même une prise de conscience des élus, notamment par les maires et leur conseil municipal, pour mettre à disposition des terrains. Donc aujourd'hui, soit si vous voulez, il y a mise à disposition de nos terrains, soit il y a un travail avec la Chambre d'agriculture sur le PLU, donc aujourd'hui pour me garder des zones agricoles. Et ce que on se bat aujourd'hui avec mon équipe de la Chambre, c'est que s'il y a des zones agricoles, il faut qu'il y ait des projets qui soient à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a un manque de foncier, c'est clair, c'est que la pression foncière est là. Et j'estime que nos élus, y compris M. Viau, maire de Grasse et président de l'Aglo, a pris conscience de préserver les zones agricoles. Ben, si vous voulez, aujourd'hui, déjà, la Chambre d'agriculture accompagne techniquement les agriculteurs. Aujourd'hui, on a une volonté aussi du conseil départemental, si vous voulez, de maintenir donc tout ce qui est investissement à la hauteur de 40% pour tout ce qui est aide aux investissements. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté forte. J'estime qu'aujourd'hui, le monde agricole est soutenu dans notre département et il faut vraiment, si vous voulez, arriver à trouver des candidats avec des projets qui soient viables.